On se remet pas d'une histoire comme ça. On survit. On s'accroche à ce qui reste. On les redécouvre, même parfois, avec un regard différent. Un pichon d'un pour tout le monde! T'es appris comme un cosmo. Oh, fuck you, man! Pensez-vous, ça va dérailler! Pourquoi nous autres? Identique. C'est juste un point de chenoute, ça, à cœur. Si tu veux que je te fournisse ce que t'as besoin pour crisser la terre, moi, t'as le trouvé, OK? C'est clair, ça? I'm the driver of that fucking train! Juste au fond, là-bas, ils font la liste des gens qui manquent à l'appel ou qui sont retrouvés. On n'a pas reçu de blessés. Oh, un blessé ici? Je suis pas sorti de ma retraite pour voir mon fils aller se faire tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut encore sauter! Allez-vous-en par en haut! Je m'excuse! Rappelle-moi! J'ai ma femme! J'ai mon frère! J'ai ma belle-sœur! J'ai mes amis qui sont là! Je veux pas rester pour croiser certains, ah ouais! Il y a quelqu'un là-bas! Brian, non! If they blow, the whole town will get wiped right off the face of the earth! T'as fait quelque chose d'héroïque, là. T'as fait quelque chose d'exceptionnel, mais que t'aurais jamais dû faire. C'est rien, ça. Le pire s'en vient. Sa vie complète dans une petite boîte. Mais des fois, se fermer à gueule, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Si vous le voulez bien, on va prendre un temps de silence. J'entends des voix, des fois. Des cris. Des hurlements. Du monde prisonnier, du monde qui brûle. Faut bien qu'on aille faire de quoi de mal pour mériter ça. Ils ont retrouvé comme soudés, comme collés ensemble. Tout ce monde-là existe encore. Ils sont morts, mais... ils existent encore.